Ayo? Ayo? Bonjour à tous. Bienvenue sur la suite de notre aventure sur The Messenger. La dernière fois qu'on s'était arrêté, on était devenu Raiden. Enfin, en tout cas, il nous avait donné un nouveau costume avec un nouveau chapeau. Enfin, avec un chapeau. Donc bah tout de suite on va continuer direct. Hein. Vous voyez en haut à gauche. Je suis devenu comme ça. Donc du coup, bah, on va faire la suite. Ninja! Hop. Que s'est-il passé? J'ai fait le grand saut, je crois. Et depuis, tout a changé. Hé, c'est moi. J'adore ton chapeau. Non, vraiment, il te va très bien. D'accord, mais tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Pardon, c'est ton chapeau, je ne m'en remets pas. Besoin de quelque chose? Bah, discuter. Bienvenue dans les ruines célestes, vestiges d'une civilisation de géants qui vivaient autrefois dans le ciel. C'est un endroit magnifique, mais ses fondations semblent fragiles. En effet, j'espère que tu n'as pas le vertige. Je suis à quelle hauteur? Dans mon estime? Ah, tu veux dire géographiquement? Eh bien, tu es entré dans la tour du temps, au sommet de la montagne, et tu es sorti tout en haut de la tour. Je dirais que tu es assez haut. Profite du panorama. Pourquoi tu as l'air si différent? Ah, je demandais comment tu allais gérer les effets du voyage temporel. Je suppose que l'ignorance est une bénédiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dans la tour du temps. Eh bien, tu as été envoyé dans le futur. Sympa. Tout à fait sympa. Une histoire utile? C'est l'heure de l'histoire, mes amis. Avec plaisir. Était une fois un jeune garçon qui, bien que pauvre et ne mangeait jamais à sa faim, cherchait toujours à venir en aide aux gens de son village. Un jour, comme il l'avait aidé à porter un lourd sac de blé, un vieil homme lui offrit une miche de pain. Mange, mon garçon, tu l'as bien mérité, commença-t-il. Mais si tu as envie d'aider quelqu'un d'autre, tu trouveras dans la forêt deux gnomes encore plus affamés que toi. La générosité du garçon semblait infinie, et il n'en fallut pas plus pour le convaincre. Après une courte marche, il trouva les gnomes et partagea la miche de pain entre eux, sans même en garder un morceau pour lui. Merci, cher enfant, dit le gnome, rayonnant. Tu nous as débarrassés de notre malédiction. En effet, afin de les punir de leur cupidité, un esprit leur avait jeté un sort pour le moins désagréable. Il avait dû s'exiler en forêt, emportant avec eux un petit moulin magique capable de produire tout ce que son porteur désirait. Mais ce petit moulin ne serait activé qu'à condition qu'un inconnu leur donne à manger par pure générosité. Mourir de faim alors qu'on possède un objet source d'abondance est un destin fort cruel.
Tu imagines donc la surprise du jeune garçon lorsqu'ils lui donnèrent l'objet magique. Prononce le nom d'une chose que tu veux en tournant la manivelle à droite, et le petit moulin en produira une quantité infinie, explique le gnome. Tourne-la à gauche et il arrêtera. Après avoir créé un morceau de nourriture pour les deux gnomes, il retourna au village pour venir en aide à la population grâce à son nouveau pouvoir. Mais plus il gagnait en popularité, plus sa grande sœur était jalouse de lui. Une nuit excédée, elle déroba le petit moulin dans la table de chevet de son frère, ainsi que deux tartes qui restaient de leur festin de la veille. Et par-dessus le marché, c'est à bord du bateau de pêche de leur famille qu'elle partit vers de nouveaux horizons, impatiente d'être à son tour l'objet de l'adoration de ceux qu'elle aiderait. Une fois en mer, elle décida de goûter à l'une des tartes et trouva qu'elle manquait un petit quelque chose. Pourquoi ne pas essayer le petit moulin magique? Donne-moi du sel, s'exclama-t-elle, tournant le manivelle vers la droite. Du sel, elle reçut, des tas et des tas. Hélas, elle ne s'était jamais donné la peine de regarder comment on arrêtait le moulin. Arrête, petit moulin, arrête! Cria-t-elle. D'abord agacée, puis inquiète et enfin complètement paniquée, le sel envahit le bateau jusqu'à la faire déborder et couler sous son poids. On raconte qu'au fond des mers, le petit moulin fonctionne encore et qu'il est la raison pour laquelle l'eau de mer est salée. Fin. Très intéressant, mais on dirait une histoire pour enfants qui explique des choses qu'on sait déjà. Je vois que j'ai affaire à un public difficile. Et nous inversions les rôles. Raconte-moi une histoire et je te dirai ce que j'en pense. Et si tu réfléchissais un peu plus? Par exemple, la sœur a payé le prix fort pour son méfait, d'où l'expression l'addition est salée. Ou alors, elle s'apprêtait à bouleverser le quotidien d'un autre village, d'où l'expression ajouter son grain de sel. C'est amusant, non, mais tu ferais bien d'y aller pendant ce temps. Je vais chercher d'autres morales qui aient un rapport avec le sel. Merci de ne pas toucher à l'armoire. Ouais, non, je pensais qu'on pouvait changer son vêtement. Maintenant que j'ai deux tenues, puisque j'ai eu la tenue du premier truc et la tenue celle-là. Mais celle-là est très bien comme tenue. Je voulais pas le tuer, mais j'ai vu qu'il est arrivé vers moi et je me suis dit, on n'a pas encore rencontré d'ennemis jusqu'à maintenant. Il doit être agressif. Par contre, ah bah oui. Attendez, ça ce serait la suite. Donc ici, il y aurait un truc secret. Ah bah oui. De la thunasse, j'en ai besoin.
Ouais, c'est pas grave. Hop. Alors, je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois que j'ai joué, mercredi, donc ça fait vendredi. Ouais, ça fait 2 jours, j'y ai pas joué. Ah. Ouais, un poil en retard, mais... Donc sympa le chapeau. Ah, j'avais pas vu, il avait mis un chapeau. Il te plaît. C'est pour ça que tu as décidé d'en porter un aussi. Comment ça? Eh bien, tu as le même chapeau. N'importe quoi. C'est moi qui l'ai eu le premier. Si tu préfères te tenir à toi, si tu préfères te mentir à toi-même, à toi de voir. Vous avez vu mon chapeau et vous avez flashé dessus. Oui, bien sûr, tu as raison. C'est pourtant vrai. Fais l'autruche autant que tu veux, puisque tu tiens à ménager ton ego, mais il est évident que ça ne prendra pas sur moi, puisque j'ai vu comment les choses se sont passées. C'est vrai qu'il est, lui, ça c'est dans le futur ou je sais pas trop quoi, donc. D'accord. Donc le dernier qui manque, c'est améliore la défense. Tout dégât de 2 ou plus est réduit de 1. D'accord, et il me faut 1000. Ok. Donc je reviendrai quand j'aurai 1000. Je me rappelais plus c'était combien le dernier prix du. Enfin, combien il me manquait, quoi, mais. Oh putain, j'ai cru qu'il fallait planer, mais non. C'est des nuages! Qu'est-ce qui se. C'est quoi ça, un dragon? C'est quoi ce dragon qui me poursuivait là? Non, il m'explique rien. Ok, on se casse. Quel con! Désolé pour la douleur, mais je suis payé que pour les morts confirmées. Pourquoi j'ai avancé? Alors que forcément, il allait venir vers moi. Non, on peut pas y aller en haut.
Il se passe un truc. Wouah! J'avais presque oublié le saut du nuage. Ah, comme ça. Comment je vais faire pour pouvoir le tuer? Non, pas le tuer. Comment je vais faire pour le passer? Il y a bien une technique. Seconde. Désolé, j'ai eu un petit souci. Alors, on en était où? Oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Bah, ça s'est bien passé. Par contre... Ouais, ça s'est bien passé. Peut toujours pas passer. Un petit fantôme. Voilà. Il faut que je me sers du... Ben non. Pourquoi j'ai appuyé dessus? Il est pas assez long. Ah oui, c'est cool, je m'en rappelais plus. M'en suis douté. M'en suis douté, je l'ai vu quand je l'ai fait.
C'est quoi, ce serait par là? Ou c'est là la suite? Oh, vous savez quoi, ça coûte pas cher. Ouais, je l'ai fait comme ça, mais. D'accord, donc il y avait. D'accord, donc c'était bon. Non, par là. Ouais, d'accord. Non, j'ai franchement. Même moi, j'y croyais pas, hein, mais bon. Non, apparemment, il me dit plus rien. Ah! Le retour du dragon. J'ai fait le con. Trop ralenti. Tiens, prends déjà ça. Mais non! C'était obligé. Mon bonhomme s'est accroché. Allez! C'est type. Et bah voilà, c'était pas très difficile. Ça m'a pas empêché de mourir, mais bon. Toujours pas de conseils, pas de trucs, ok, on continue.
Oula. Ouais, ça c'est le risque hein, quand t'es trop gourmand. On va passer un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Je pensais que j'allais passer beaucoup plus de temps dessus. J'ai eu de la chance avec le rebond, le choc, plus le rebond que j'ai appuyé derrière. Non, il m'apprend toujours rien, c'est toujours pas le boss. Ah là là. Encore le dragon. Oh, il y a des trous, j'ai pas fait gaffe. Oh putain, j'ai dû ralentir parce que sinon j'allais aller trop vite par rapport au scroll, au scrolling, pardon, pas au scroll. Là, ça doit être le boss. Là, il doit m'apprendre quelque chose sur la vie. Alors, je ne sais pas ce qui t'attend à présent, mais la Mais quoi? Mais le prophète m'a demandé de te transmettre un message à ce stade de ton aventure. J'écoute. Depuis le temps que je rêve d'essayer cette voie, allons-y. En ce jour, sans s'en douter,
Le messager rendra service à son sauveur qui aura alors une dette envers lui. Ce qui veut dire, je ne sais pas trop, mais en cas de problème, attaque les boules de feu. Attaque les boules de feu. Attaque les boules de feu. Soit. Ah bah oui, forcément, c'est le dragon. Wow, 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 wow. Commence pas à enlever le sol, toi. Ouch. Ok. Il m'attaque. Ouais non, faut pas que je le... Ou alors faut que je le fasse plus vite. J'ai appuyé, il a pas sauté. Le traître. Je déconne, c'est pas un traître, hein, c'est moi. Je suis ce personnage. Tiens, j'ai réussi à te toucher. Cool, je l'ai eu deux fois. Bon, pas là. What? Non, c'est dégueulasse. J'ai tapé pourtant. Tiens. Bon, là, je l'ai pas eu. Oh non! Deux fois. Il est où son pattern de boule de feu là? Il est là. D'accord, quand tu il fait ses boules de feu. Waouh! Il fait ses boules de feu, tu le touches. Je pourrais peut-être même le faire trois fois si je joue bien. Ah non, là je me fais trop toucher, c'est pas bon. Oh non, mais il arrache tout le truc. C'est pas cool. Oh l'enfoiré. J'ai touché. Tiens. Oh non! J'avais plus dit, je l'aurais touché, il serait passé au-dessus de moi. Bon, c'est pas grave, je crois que j'ai pas vraiment le pattern, mais je vois à peu près ce que je dois faire. Tiens, touché une fois. J'aurais pas dû sauter, mais c'est pas grave.
Ah. Bonjour, je suis Quasimodo, Quasimobo, le collègue de Quasimodo. Il arrêtait pas de me décrire la tête quand tu tombes dans une fosse et je me suis venu voir. Et ça fait vraiment de la peine. Pas le temps avec toutes ces bêtises. Faut que je tue le dragon. Oh non, le mec est... Il enlève tout le truc. Le problème, c'est le sol, en fait. J'aurais pas un problème de sol. Le dragon serait easy, quoi. Ah, il me touche. Oh! M'en rappelais plus. Mais pourquoi j'ai sauté? Dommage. Mais non, mais le mec il enlève tout! C'est pas possible! Fait exprès ou quoi? Tiens. Ah merde, j'avais pas vu.
Ouais, ça tu. Ça, je l'ai vu la dernière fois, ça. Ah oui, mais maintenant. Et voilà. Je pensais qu'une fois qu'il s'arrêtait, je pouvais bouger. Il avait pris ma position. Putain, j'étais à la fin en plus. C'est ahurissant. Ahurissant. Tiens. Tiens, deux. Mais non, mais qu'est-ce que je branle? Trop vite. Pourquoi j'ai sauté? Il me fonce dessus. J'ai pas besoin de sauter. Voilà. Fallait juste prendre le timing, le fallait juste voilà quoi. Avoir le bon timing. Désolé pour le bruit, hein, je remets mon casque. Ah, bah il est devenu copain. Je t'observe depuis longtemps, messager. Ah oui, mais c'est lui qui était relou dans l'épisode 1. Mais qui êtes-vous? Ah, ainsi tu t'es laissé berner par par mon déguisement. Évidemment, je regrette que tu aies libéré mon compagnon dévoué, mais peu importe, car je suis à présent certain de pouvoir te vaincre. Oh, c'est Azazel ou je sais pas trop quoi là. Ah, surpris! Vous allez payer pour ce que vous avez fait subir à mon peuple. De bien terribles menaces de la part d'un aventurier si peu expérimenté. Le bas monde infernal t'attend, messager. Enfin, le parchemin sera à nous. N'oublie pas, chaque pas peut être ton dernier. Ah bah il m'a fait tomber. Bas monde infernal! Ah cool, peut le casser.
Salut, salut! Salut à tous ceux qui arrivent. Oula! Comment ça va et toi? Pourquoi il a, quand j'ai fait ça, il a fait des roulades sur lui-même? Bon, c'est pas grave. Oh là là! Non, 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 on va laisser le feu descendre parce que je vais plus vite que le feu. Quoi? Bah après je remonte où? Je remonte comment? D'accord. La musique est sympa. Hop. Je sais pas depuis quand tu viens d'arriver, mais je viens d'affronter un boss, hein, si t'avais pas vu. J'ai affronté un dragon. D'accord, bah donc j'ai juste affronté un dragon juste avant. Je peux pas monter? C'est quoi ce délire? Putain, j'ai pas vu. J'étais concentré sur ça. Je me suis dit, bah merde, il y a un truc que je peux pas monter. Super. Le ronquet. Le ronquet avant. Pas compris. Je sais pas c'est quoi un ronquet donc. Bon, il veut pas. Putain, je pas le. Oh, faut apprendre à écrire avant d'écrire dans les, dans le chat, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends rien. J'ai. Je pas le, ça veut rien dire. Hein. Ah, de là. Ah, voilà. Mais ça sert à que dalle, en fait. Pourquoi j'ai ouvert ça, moi? Oh là là, je regarde le chat, mais j'ai jamais dit le ronquet. Ça veut rien dire, là, ronquet. Mais j'ai pas dit le ronquet, si?
Ça m'étonne, j'ai jamais employé ce mot-là, donc je vois pas pourquoi j'aurais dû le ronquer. Bon, bah, je regarderai ça de mon côté. Ah, mais... Mais bon, tu montes, Putain, je me suis fait enchaîner. Et je vais mourir. Voilà. Le ronquet. Pourquoi j'ai débloqué ça? Ça sert à rien en fait. C'est le bourré qui meurt qui critique mes phrases. Non, mais c'est parce que ça m'a. Je sais pas, ça m'a choqué, le ronquet. Je pensais pas avoir dit ça, donc. Pour ça, je comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que tu voulais dire par ronquet. Mais vu que tu dis que c'est moi qui ai dit le ronquet, alors là, je comprends encore moins. Bref, cette région. Bienvenue dans l'antre du lion. Pardon? Je n'ai vu aucun lion. Je voulais dire non, rien. De quoi veux-tu parler? La chaleur est insupportable ici. En effet, mais bien que je méprise les clichés, comment imaginer la fin de ta quête sans un petit peu de lave? De quoi veux-tu parler? Il était une fois un homme qui reçut la visite d'une succube. Ouais. Dans sa grande bonté. Les succubes, ils ont une grande bonté. Elle lui offrit l'incroyable opportunité de visiter l'enfer en tant que touriste. De nature aventureuse, l'homme ne se fit pas prier et sauta dans le portail. Ils débouchèrent dans une salle où des chaudrons géants bouillaient sur de grands feux. À l'intérieur, des gens cuisaient, gardés par de petits démons armés de piques. Ils étaient installés sur le bord de chaque chaudron, prêts à repousser quiconque tenterait de s'échapper. Qui se trouve dans ce chaudron? Demanda l'homme à sa guide touristique, la succube. Celui-ci, on y met les manteaux et les escrocs, lui répondit-elle. Et celui-là, là-bas, reprit-elle, c'est pour ceux qui chassent par plaisir. Horrifié, l'homme remarqua un chaudron beaucoup plus grand que les autres, sur le bord duquel se trouvait aucun démon. En effet, ce chaudron semblait s'auto-réguler, les humains tirant eux-mêmes dans l'eau bouillante, ceux qui tentaient de s'échapper. Et ce chaudron, incapable de comprendre comment ses occupants pouvaient être si convaincus par leur idéologie qu'ils préféraient s'infliger cette souffrance plutôt que réviser leur vision du monde. Ah! Sourit la succube, celui-ci est pour les gens qui croient que l'ordre ne s'applique plus dès que s'ouvre une nouvelle
file au supermarché. Bon, en fait, vous êtes là pour régler vos comptes. Quel est le problème? Tu fais quoi? Quand tu es cinquième dans la queue, tu te précipites pour arriver le premier quand s'ouvre une nouvelle caisse. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas la bonne époque. Je n'ai rien dit. Bah oui, il n'y a pas de supermarché, le ninja. Forcément. Forcément, il comprend rien ce qu'on lui raconte. Alors, faut que j'aille jusque là-bas. Allez. Rien de nouveau, on est reparti. Oh, enfoiré. Ah, j'ai pas réussi à le toucher. Et je suis mort.
La puta madre. Purée de vache. Non, je saute trop tôt. Ah, j'étais pas mort. Je vais pas rester coincé là. Mais non! C'est pas possible. Ça, c'est un de mes problèmes, ça. C'est que je veux aller trop vite. Et des fois, quand je vais trop lentement, bah, je veux rattraper le fait que j'ai été lent. Mais... C'est pas possible. J'arrive même pas à savoir un timing. Non, mais je suis... C'est pas possible à quel point je suis nul. Mais qu'est-ce que je fais? Allez. On se calme un peu, on va faire descendre la pression. Pas besoin de s'énerver et on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. La pute.
J'ai sauté, il a pas sauté, enfin il l'a fait ou je sais pas. Je ne sais même pas ce qu'il m'a fait, je. Ça m'énerve de bloquer sur des trucs comme ça alors que y a pas vraiment vraiment de raison de bloquer dessus quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que je panique ou je sais pas ce que je fais, mais Ah, faut que je me calme parce que si je commence à m'énerver, ça va pas le faire. Je vais être encore moins efficace. Je vois où est mon souci, hein, mais va te faire foutre. Ah, vas-y, allez hop. Bon, putain. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça y est, je repanique. Non, c'est bon. La sauvegarde.
Par moi, je peux pas descendre. Bon. Donc c'est par là. N'importe quoi, mais bon. Ok, j'ai vu quelque chose. Je peux pas passer à travers ça. Il y a un mur là. Mais non, je peux pas passer. Pourquoi je suis passé maintenant? Dis-moi pourquoi j'ai fait ça. De nouveau le fait d'être pressé. Ah non, ça revient pas, hein. Oh! Bah oui, forcément, il fallait que je fasse ça. Ah! Ah, c'est le boss. Qu'est-ce qu'il va m'apprendre sur le boss? Et ouais, sur le point d'affronter le général démon. Prends garde, il paraît qu'il est très rapide. C'est tout? Ok, super. Vous ne pouvez plus vous cacher, démon. Et pourquoi me cacherais-je? Tu es tombé dans mon piège. C'est ce qu'on va voir. Ah, c'est tout vu. Dernière heure du champion des robes bleues a sonné. Bon. Tu es rapide. D'accord, il se fatigue. Faut juste attendre qu'il se fatigue en fait. Il se fatigue pas là. Il m'a touillé. Je vais essayer de lui envoyer plus de shuriken quand il va esquiver. Hop. Tiens, ah.
Tiens, shuriken. Ah, j'ai plus de shuriken. Bon. Faut pas que j'aille comme un bourrin. J'ai essayé. Mauvais. Mauvais délire. Par contre, il a l'air compliqué. Oula, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Attends, non, mais si le mec il part dans des nouvelles phases aussi, faut prévenir à l'avance, quoi. J'étais pas au courant. Bon, en tout cas, ouais, en tout cas, je l'ai touché plus qu'avant. Ah, il est trop rapide. Me jette dedans. De toute façon, j'étais mort. Il me restait qu'une vie. Je fais n'importe quoi. Oh là là.
N'importe quoi. Je fais littéralement n'importe quoi. Ah, je l'ai eu. J'y croyais même pas. Impossible. Il n'existe aucune créature qui est plus rapide que moi. C'est vrai que j'étais pas plus rapide que toi. Dites-moi comment mettre fin à cette malédiction, sinon. Ah, tu croyais vraiment que ce serait si simple, la ninja? Tout cela nous dépasse, toi comme moi. Non, je vais briser la malédiction. Après vous, je vaincrai votre roi démon. Ne sois pas si naïf, messager. Aucun de nous ne sortira d'ici vivant. Si je ne peux récupérer le parchemin, alors il sera détruit. Ah oui, carrément, le mec, il se... D'accord. Oh mon copain! Ouf, j'ai bien cru que c'était... Non, j'ai bien cru que cette fois... Je suis là, l'ami. Oh, il parle en plus. Merci, je t'ai sauvé. Tu me sauves. Eh oui, les bons comptes font les bons amis. Tu t'appelles comment? Manfred. Drôle de nom pour un serpent céleste. Ce n'est pas mon vrai nom, mais j'ai toujours rêvé d'être majordome. Ah. Tout est dans le détail, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Et je préfère qu'on m'appelle Manfred. Si ça peut faire plaisir, Manfred, qu'est-ce que tu faisais avant que les démons contrôlent ton esprit? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'est à toi de jouer. Wow! J'ai un dragon comme dans... comment on appelle ça? L'histoire sans fin. Ça me fait penser à l'histoire sans fin. Oh, tu espérais peut-être être sauvé par le héros de l'Ouest. Aucune prophétie ne te sauvera, Vermisseau. Prépare-toi à mourir. On est le héros de l'Ouest! Vu qu'on arrive à gauche. Toi, décidément,
n'est pas digne de... Ouais, machin, il n'est pas digne de me confier. Ton règne s'achève maintenant, tyran. Ah 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 ah. Ignorant que tu es. Tout autant d'arrogance, pauvre petit ninja. Notre malédiction... Non. Si, notre malédiction est éternelle, mais tu ne l'es pas. Quant à toi, petit soldat d'opérette, j'ai hâte de voir mes sbires te réduire en bouillie. C'est extraordinaire. Vous êtes le héros de l'Ouest, c'est bien ça? Non, je suis... Ai-je volé si loin vers l'Est que j'ai accompli le tour de notre monde et je suis retourné dans mon village depuis l'Ouest? Tout est si différent. La tour du temps m'a donc vraiment envoyé dans le futur. Mais alors je dois... J'ai une mission de la plus haute importance à te confier. Enfin, je crois. Pardon? Non, je suis sûr. Prends ce parchemin. Tu dois traverser le monde et l'apporter au sommet de la plus haute montagne. Moi, c'est vrai? À vos ordres. Je ne pouvais plus de cet avant-poste. Oui, l'époque requiert un messager. Un messager? Bonne chance. Et c'est tout? Ça suffit, prends ce parchemin. Waouh! Ainsi s'achève ton rôle de messager. Je fais quoi maintenant? Eh bien, tu pourrais prendre un moment pour méditer sur le fait que tout ceci n'était qu'une boucle temporelle. Ah non, je veux encore faire partie de l'aventure. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est-à-dire qu'il est temps, temps de quoi? D'enfin ouvrir l'armoire et de me tutoyer. Vraiment? Oui, vraiment. Ouvre-la. Oh, on peut ouvrir l'armoire. Donc c'est juste une armoire à robe bleue? Bien sûr, à quoi t'attendais-tu? Ne reste pas les bras croisés. Attrape-en une à ta taille. Te voilà mon égal. Je crois que je... J'entends quelqu'un qui arrive, file derrière le comptoir. Ah, le messager, je ne t'attendais pas si tôt. Je suis où là? Dans la boutique. Ça ressemble pas à une boutique. Oh, c'est exactement ce que j'avais dit. Oublie ça. Et moi, je ressemble à un boutiquier. Quoi? Peu importe. Tiens, voilà une amélioration pour recharger ton laser. Il y a des améliorations aussi, cool. Bon, eh bien, je vous remercie pour l'amélioration du chargeur de laser. Tu peux. Je me disais bien que ça me manquait. Ouais, c'est... Pour... De quoi? C'est pourquoi Retroid l'a inventé. Il y a plusieurs décennies. Qui est-ce, Retroid? C'est une blague qui fait suite à une autre. Je ne comprends pas. D'autres comprendront. Et donc c'est fini alors. On est devenu le boutiquier. Salut, tout se passe bien? Je m'ennuie un peu, mais ça va. Non, je voulais dire, ça fait un moment que ton messager n'est pas passé. Tu crois? Je ne venais pas très souvent à la boutique de mon temps. Si, si, je venais tout le temps. Tu es dans la tour du temps, tu te rappelles? Et alors? Elle devait donc te téléporter automatiquement vers le prochain moment important. Oui, et soit ton messager entre dans la boutique, soit il meurt. Ah? Alors ton messager est-il mort? Comment je le saurais? En te servant de la boule de voyance.
Si Quasimodo n'arrive pas dans les 10 secondes, ton messager est mort pour de bon. Tu comptais me le dire quand? Oh non! Non, 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 non! Il faut qu'on règle ça. Ah? C'est on maintenant? Allons, c'est pas le moment de se disputer. Abordons plutôt ce problème de manière holistique. De manière holistique, ça veut dire quoi au juste? Que je suis aussi perdu que toi, mais que j'essaie quand même de te faire croire que je suis le plus malin des deux. Attends, je vais chercher le parchemin. T'as le droit de sortir? Ne bouge pas. Il faut que je parle aux autres. Bon, nous nous sommes mis d'accord. C'est toi qui dois finir cette histoire. Vraiment? Oui, vraiment. Tu n'avais pas vraiment le profil d'un boutiquier de toute manière. Je te laisse le parchemin ici avec tes vêtements. Rejoins-nous quand tu te seras changé. On reprend du service! Ce qui m'ennuie, c'est que cela fait longtemps qu'il porte le parchemin. Et ça peut être dangereux. C'est exactement ce qui était prévu dans les visions. Un nouveau messager parviendra à maîtriser le temps afin de rompre la malédiction en combattant simultanément dans les deux cycles. Ça m'inquiète. Un seul voyage dans le futur était déjà bien assez risqué. Comment parviendra-t-il à répéter? Pourtant, à moins que tu ne veuilles porter toi-même le parchemin, je ne vois pas d'autre solution. Et puis, nous devons absolument trouver les dernières notes de musique. Tu es toujours persuadé que la boîte à musique joue un rôle important? Je suis le prophète, non? Et alors? Alors oui, je crois en la prophétie. Eh bien, si tu veux vraiment aider le messager, commence par adopter un ton un peu moins grandiloquent. Prends garde, païen, les brumes de la légende sont impénétrables et qui tentent de minimiser leur importance s'exposent à... D'accord, bon si... Si on me cherche, je serai dans ma boutique. Désormais, la prophétie sera ton guide. Non, le prophète sera... Bref, on s'en fout. Wesh. Le messager se lève à nouveau. Je sais pas très bien ce que je dois faire maintenant. Oui. Les brumes du temps sont complexes, mais des craintes. La prophétie est là pour déchiffrer leur signification. Ah non, le prophète. Oh là là, je suis désolé, je vois pas les mots en violet. Ou plutôt l'interprète, non? Je veux bien te pardonner cet affront, car les temps sont troubles. Contemple, messager, le réseau de portails de la tour du temps s'active pour t'aider dans ta quête. Reviens me voir quand tu auras besoin d'aide. Non, d'être éclairé, je te guiderai bon vent. Voici la boîte à musique. D'après la légende, cette relique entretient la malédiction qui pèse sur l'humanité. Ok. Bon, on va aller là, hein, c'est le premier. Et tu as courbé l'espace-temps. Ouais, c'était pas mal. Les choses risquent de devenir assez nébuleuses avec le prophète. Non, si, avec les prophètes dans les parages. Tu dois faire bon usage de ta carte. Ma carte? Ouais, ta carte. J'ai pas de carte. Tu plaisantes?
Je te dis que je n'ai pas de carte. Attends, laisse-moi t'expliquer. On t'a donné un parchemin. Le sort du monde en dépend. Bah ouais. On t'a donné un titre de héros en lien avec celui-ci. Ouais. Tu l'as porté pendant des jours contre vents et marées et même à travers le temps. Ouais. Et tu ne l'as jamais ouvert. C'est vraiment bizarre. Il s'avère que le parchemin était en fait une carte. C'est quoi ce mystère mystérieux plus mystérieux? Appuyez sur pour consulter. Tout ça, c'est ma carte? Et je suis où? Je suppose que je suis là où il y a le violet. Wouah! Si on me cherche, je serai dans ma boutique. Si tu en as les moyens, ce serait un plaisir de taquiner le prophète en t'indiquant ces allusions sur ta carte. Sois prudent. Je me suis trompé de bouton. LOL. C'est quoi ça? Attends. Peux aller à gauche, je peux aller en haut. Ouah, ça prend toute une nouvelle phase. Enfin, c'est tout un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Je sais même pas où je suis en fait sur la carte. Non, sérieux, je suis même pas où je suis. Attendez. Ah si, je suis là, je crois. Je sais même pas où je dois aller. Sous le voile de la nuit, les arbres pourpres abritent une note magique. Prête à être recueillie. Sous le voile de la nuit, c'est où ça? Oh, super, ça m'a pas accroché.
Je sais même pas où je vais, mais bon. Je suis pas déjà passé par ici? Ah non, j'avais jamais pris celui-là. Je m'en souviendrai. Attends. Non, c'est pas là, c'est là. Non, en fait, je suis sûr que... Mais oui, mais non, c'est là-haut. Ouais, je sais, je suis parti dans un endroit où il fallait pas. Bon, c'est pas grave. Je fais juste ça, histoire de prendre un peu de piécettes. Enfin, un peu de... Un peu de thune, quoi. Allez, on y va. Oula. Ah oui, mais ça marche pas. Bah non, il devrait être en décalage. Ah, c'est j'ai trouvé. J'ai trouvé. Regardez bien. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais... L'important c'est que je l'ai fait.
Ah oui, là il y a un truc où on pouvait monter, d'accord. Je sais pas où je vais, hein. Je suis complètement perdu. Alors là. Wouah, mon arbre de talent a changé! Il me restait celui-là à faire à 1000, mais maintenant j'en ai plein qui sont avec des petits. 2000, 250. Affiche une lueur bleue sur les salles de la carte de la région où vous pouvez vous déplacer entre passé et futur. Ajoute un compteur sur la carte du monde indiquant le nombre de sceaux de pouvoir restant dans chaque région. Marque l'emplacement de tous les sceaux de pouvoir sur la carte de la région. C'est intéressant tout ça. Gagne du ki plus 1, ouais. Santé plus 1, les potions de soignement total ayant atteint, ok. Attaque plus puissante en maîtrisant la patience et la concentration, vous pouvez attendre pour charger passivement votre prochaine attaque qui infligera un triple dégât. J'étais venu pour ça, je fais ça. Maintenant, on repart au début, 250. Conseil. J'ai du mal à comprendre la prophétie. Je peux peut-être t'y aider. Qu'a dit le prophète?
Sous le voile de la nuit, les arbres pourpres abritent une note magique prête à être recueillie. Vraiment, ce prophète devient de plus en plus bête chaque jour. Je serais ravi de l'embêter et te venant en aide, mais il me faut vraiment 300 éclats temporels pour faire fonctionner la boule de voyance. Ah putain, maintenant, faut que je revienne. Je peux passer, je peux aller par là. D'accord. C'est ça. Je suis où? Je suis là. Il faut que j'aille en bas. Il y a un truc vert. Ah si, c'est là. Je peux pas y aller là. Je suis dans les catacombes. Faut que j'aille là-bas. Ah, je vais me retrouver dans la jungle de bambou. Attendez, je vais faire ça, je vais voir si je peux revenir en arrière. Il y a quoi à droite? C'est toi, c'était bien quand on a fait notre petit numéro, non? Les autres ne veulent pas le refaire. Bienvenue dans la tour du temps. Je leur ai mis en état pour en refaire notre quartier général après ton dernier défi. Sa construction était de moi d'ailleurs. Si tu veux le retenter, dis-le moi, tu es peut-être passé à côté de quelques objets cachés. D'accord, c'est si je veux refaire la tour machin. Hop, on revient ici. Prophétie, c'est sous le voile de la nuit, les arbres pourpres abritent une note magique. Je vais monter, de toute façon, je vais essayer d'aller dans les carrés verts, là, je sais pas ce que c'est, mais... Là, j'ai vu qu'il y avait une salle aussi, il faudrait que j'aille voir. Je suis là, faut que je monte, ok. J'ai rappuyé sur le mauvais bouton. Tiens, ça faut que je monte, faut que j'aille là-bas.
Pourquoi elle a pas. Pourquoi j'ai rappu. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Bon, on s'est un petit peu perdu, mais. Mais j'ai pas l'énigme, fais chier. Ben j'y étais déjà ici. D'accord, c'était pour ça. Désolé, hein, là, je suis complètement perdu. Autant tout à l'heure, il y avait un semblant de. Autant il y avait une route, hein, on me disait prends ce chemin-là, puis vas-y, fonce. Hein. Autant là. Là, on est parti sur des énigmes, des machins. Là, et là, je dois passer là, je dois descendre. Je suis sûr que c'est là. Ouais, c'était ça. Est-ce qu'il peut me dire quelque chose, un truc?
Non, rien. Ouais, si, c'est toujours le même truc, il me faut 300. En gros, faut que je lui file des thunes maintenant pour qu'il m'aide. C'est encore toi, merci de m'avoir sauvé. Je cherche mes collègues. Faut que je vais te chercher tes collègues. Voilà. Descendre jusqu'aux catacombes. Bah ouais. Désolé, hein, là je suis complètement en roue libre. Je suis complètement perdu. Ils m'ont remis dans... Si en fait je suis obligé de passer dedans. Je suis obligé. Obligé de me retaper les catacombes, non. Pitié. Pas que c'était chiant, mais ça sert à rien en fait. Ah, quoique. Ah oui, non mais, ah oui, d'accord, donc, ok, c'est le mec qui... D'accord, si ça te baise aussi fort... Non mais là... Il y avait déjà pas beaucoup de respect, mais là, il n'y en a pas du tout, là, on crache... Là, c'est limite, il me crache à la gueule. Tu changes de truc, mais mais on te met un gouffre. C'est tellement amusant.
Ouais, mais... Je retourne en arrière, là. Que la grotte allait changer, mais ah non, il me faut revenir au début. Je n'ai déjà marre, j'ai rien compris. Ah oui, non mais là, là j'ai rien compris. Là je peux pas remonter. Et là, je peux pas passer à travers, en fait. Je pense que c'est ça le truc, en fait. Je devais changer de... Je devais changer de truc. Bah gars, j'ai 300. Vas-y, 300. On va pas se faire chier la nouille. Hein. D'accord, donc c'est ici. Quand l'oiseau reviendra au nid, il apprendra le pouvoir de la vision infaillible. Bon, déjà, faut que j'aille ici. Si t'es... En fait, c'est ça le truc. C'est si t'es trop con pour comprendre l'énigme, eh ben, tu payes 300. Pour que l'autre puisse t'aider. Et donc, moi je suis là et c'est par là.
mais bon. Aïe. Bah, c'est pareil, c'est ici. Ah. Une toute nouvelle dimension s'ouvre à moi. Non, je suis trop bas en fait. Si tu regardes bien. Ah, mais peut-être qu'il faut que je... Attends. C'est au-dessus à droite. Ouais, si, c'est peut-être, si, il faut peut-être que je descende en fait. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'avais pas confiance en fait quand j'ai vu les pics faire un saut avec les pics machin et puis en fait si ça avait rien à voir vu que c'était une autre dimension. La belle Isérie. Mais bon.
D'accord. Bon, en fait, c'est un nouveau pan de gameplay qui s'ouvre à moi et c'est pas mal. Bon, par contre, si je dois payer 300 $, 300 trucs à chaque fois. Matérialisation des vœux d'innombrables villageois encourageant leurs messagers lors du cycle passé. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Ah putain, j'avais pas vu. Ah mais oui, mais c'est le truc que je viens de faire. Cool. Eh, ça a changé ici. Ils ont mis... C'est quoi ça? Ah ouais, jukebox, un jukebox. Je reconnais que c'est un drôle de nom. Il a rapporté l'un de mes voisins, de mes voyages dans le temps, pardon. À ma grande époque. J'ignore complètement à quoi il sert. Il va bien, bien avec la déco. Et lui est arrivé quoi à l'armoire? Ah, je l'ai juste téléporté ailleurs, puisqu'on n'en avait plus besoin. Et elle est où maintenant? Tu le découvriras plus tard, peut-être. Vous avez débloqué le jukebox. Écoutez votre musique préférée dans la boutique ou changez la musique du niveau dans le menu pause. Non, ça m'intéresse pas de faire ça. Quand l'oiseau reviendra au nid, il apprendra le pouvoir de la vision fermée. Quand l'oiseau reviendra au nid. Je vois pas où il y avait un nid avant. Tente un truc. Ah oui, mais c'est pas mon village ici. C'est là où on avait été chercher le soldat. Ah, pas mal. Je regarde vite fait, hein.
D'accord. C'est vrai que au début j'étais dans l'arbre. On va aller voir. Je vais retourner dans mon village du passé pour voir si le vieux me dit quelque chose. Ah bah il y a mes copains ninja qui sont là. Notre champion est de retour, la vie d'aventurier te convient-elle? Un peu plus dur que j'aurais cru, mais la musique est fantastique. Tu es parti trop tôt, j'aurais dû t'enseigner le pouvoir de la vision infaillible. Ah bah voilà. Ah oui, quand je retournerai au nid, quand l'oiseau retournera au nid, bah voilà, c'est ça. La vision infaillible, une technique que l'on n'enseigne que rarement aux élèves aussi jeunes que toi. À moins qu'ils ne développent suffisamment leur potentiel spirituel, évidemment. Et comment est-ce que je pourrais faire ça? Une bonne tasse de thé astral bien chaud. Hélas, notre réserve de feuilles astrales est épuisée depuis quelques années déjà. Il ne nous reste plus qu'une seule graine, mais la faire germer puis pousser prendrait des siècles. Donnez-moi la graine, je vais voir ce que je peux faire. J'espérais que tu dirais ça. J'ai la graine astrale. Il ne vous reste plus qu'à trouver un parterre de fleurs, puis à attendre quelques siècles. Où vivent les morts, un ennemi devenu allié a laissé un objet important. Où vivent les morts? Bon, on y revoit. Par contre, grand-père, il m'a dit où il y a les fleurs. Un parterre de fleurs. Il n'y a pas de fleurs par ici. Et là, c'est un ponton. Réfléchissons, réfléchissons en même temps que je cours. Et dire qu'avant j'étais nul. Enfin, je suis toujours aussi nul, mais moins que tout au début, quoi. Il faut que j'aille le planter dans un truc de fleurs, mais c'est où? C'est ça, hein, graine astrale. Il ne vous reste plus qu'à trouver un parterre de fleurs, puis attendre quelques siècles. Un parterre de fleurs. Donc faut que je plante à cette époque-là. Parce que si je le plante quand je suis en Raiden, non. C'est pas bon. Il va me dire quelque chose, lui.
Attends. Tiens, là-haut, il y a des fleurs, c'est ça? Comme le présage de la brume, le portail deviendra. Le portail devra être ouvert de l'autre côté. D'accord. Colline automnale, temple de la mélancolie, jungle de bambou, marais des champignons, je sais pas, le truc de bambou peut-être. Là, je suis complètement perdu, hein. Je vous le cache pas. Ouais, je pense que c'est la jungle de bambou. Attends. C'est quoi ça?
Grotte de Hurlevent. Non, ça va pas. Faut que j'aille là. Faut que je le fasse. Non, attends. Faut que je le fasse à pied? Oh là là. C'est quoi le truc du prophète? Où vivent les morts? Un ennemi est devenu allié a laissé un objet important. Où vivent les morts? Catacombe. Marais. Plateau torride. Où vivent les morts, c'était pas là? C'est pas dans les catacombes qu'il y a des squelettes? Non, sérieux, je suis mort? Je suis débile. Je sais plus ce que j'ai affronté comme boss. Un ennemi qui est devenu allié. C'était où ça? Attends. Village des ninjas. Colline automnale, j'ai affronté le monstre qui enlève ses. Son corps. Il est mort. Temple de la mélancolie. J'ai affronté. Je ne sais plus. Les catacombes, j'ai affronté le gros monstre. Qui finalement n'était pas méchant. La jungle des bambous. J'ai affronté la sorcière. Non, la sorcière, c'était là. Donc ça c'est la grotte de Hurlevent. Ça c'est la montagne. C'est la montagne enneigée. Le pic glacial. Où le soleil brille et l'humeur est douce, une petite créature est paralysée par la peur. Mais il a changé le truc. Le soleil brille et l'humeur est douce. Une petite créature est paralysée par la peur. Ouais, bah oui. Ça, je connais, c'est là. C'est aux catacombes. Pourquoi quand je vais là et que je fais ça, il a rechangé?
On y retourne. Je suis désolé hein, pour tous les allers-retours que je fais. Je sais que ça doit pas être cool pour vous, mais... Je vous rassure, pour moi aussi, c'est pas cool. Voilà. Mais non, c'était pas là. Mais si, c'était là. On devait se retrouver ici, j'espère qu'il n'aura rien arrivé de grave. À cette mûrie, le pont ne sera pas réparé avant 10 000 ans. Bah, je sais, je sais, je sais. Désolé, je lis pas tous les commentaires, mais là, même moi, je comprends pas le, je comprends pas ce que je fais donc.
J'ai vu que tu veux. On va voir ce que ça donne par ici, mais normalement je pense que c'est de l'autre côté, hein. Parce que je suis censé rester dans les catacombes. Ah! Un relou là! Ah oui, j'étais arrivé par ici, je crois. Attends. Ah, mais oui, j'étais arrivé par ici la dernière fois. Pas possible, ça. En fait, le truc, c'est que au lieu de refaire le jeu en mode, je sais pas en fait, mais au lieu de au lieu de refaire le jeu, je suis où? Je suis là. J'aurais pu monter. Ah, j'aurais voulu monter. Aïe. Putain, tout ça pour ça. Et donc quoi, ouais, vu que le jeu est passé en mode énigme. Où tu dois retourner dans les stages, mais pour aller chercher des choses que t'es, comment on appelle ça? Bah que le truc de la prophétie là, le prophète il te dit un truc, il faut que tu ailles le chercher.
C'est vrai qu'il y avait ça. Non! Non! J'ai voulu me précipiter, j'ai fait n'importe quoi! Ah, fait ch... Zut! Zut de zut! Ah non, mais là. Non, mais là, c'est pute ou pas? Je sais même pas ce qu'il faut faire. Ah bah, il y a un item que j'ai pas, c'est... Il y a pas... Où le soleil brille et l'humeur est douce. Petite créature est paralysée par la peur. Si, c'était là. Grotte obscure, ouais, mais. Non, je reste pas ici, hein, je me casse. Pas bien ou quoi? Je reviendrai plus tard quand j'aurai un truc pour voir dans le noir ou je sais pas ou autre truc qui me fasse briller ou quoi que ce soit, mais. J'espère que je vais trouver ses copains à l'autre là parce que...
Ah, t'es obligé de mourir. Ou pas. Ah! Je disais, je comprenais pas.